Ok. Action. Action. Bon, salut à tous. Salut. Salut Vincent, c'est un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour la chaîne Curiositae parce qu'on a plein de choses à vous annoncer avec Vincent. Comme De vous avez grosses vu, nouvelles. ouais, des grosses nouvelles. J'ai commencé à reprendre du coup les vidéos de Jean Romain, mais avec Vincent, on s'est contacté parce qu'on a envie de s'associer pour apporter du contenu. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, le but c'est de nous présenter déjà, après de présenter la chaîne, et ensuite on va présenter un peu les projets qu'il va y avoir ensuite. Bon, je te laisse te présenter à Vincent. Ok, bah moi c'est Vincent Bois, je suis, bah certains d'entre vous me connaissent, je suis en fin d'études à l'IFEC Paris, je viens de finir ma clinique, j'attends pour passer mon ECC avec le confinement, mais on ne saura pas quand est-ce que ça va arriver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Léo, on a été tous les deux très inspirés par les interviews de Chirisvitae, de reprendre, faire des interviews nous-mêmes de chiropracteurs qui n'ont pas été encore interviewés sur cette chaîne. On s'est dit qu'on allait alimenter ce qui a déjà été fait sur cette chaîne pour vraiment donner accès à la philosophie, l'art et la science chiro en interviewant des chiropracteurs inspirants, francophones de Et ce du coup, côté. tu viens d'où et c'est quoi tes objectifs? Bah, moi, je viens d'où? Moi, je viens de Saint-Raphaël. Je suis arrivé à la chiro bah, il y a 5 ans quand j'étais en fac de biologie et je savais que je voulais pas faire de biologie et je me faisais déjà ajuster depuis une dizaine d'années en chiro et j'ai commencé à me pencher sur le sujet et je suis tombé amoureux de la chiro et je suis tombé aussi amoureux en partie quand je suis rentré directement en deuxième année. C'est là où Jean-Romain a commencé ses podcasts et je suis tombé vraiment dans un univers où j'ai pu entendre plein de chiro qui m'ont vraiment beaucoup inspiré et qui ont fait que j'ai plongé dans la chiro et que je me suis vraiment passionné de ça. Et voilà, moi j'ai comme projet de monter mon cabinet quand j'aurai eu mon ECC. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'interviewer des gens pour vraiment avoir le maximum d'informations pour commencer avec le plus de confiance possible, de stratégie possible pour démarrer mon cabinet. Wow, super cool. Du coup, ouais, c'est sûr, ça va être un partenariat, une association entre nous, en fait, voilà, comme on l'a dit, pour apporter plus de contenu plus fréquemment. Et de meilleure qualité. Enfin, je vais me présenter aussi. Du coup, Super. j'ai pu. Vous m'avez sûrement vu avec le précédent Kirijitae. Du coup, moi, je suis étudiant en quatrième année à Toulouse. Je suis passionné par la chiro et j'ai envie d'apporter aux gens cette opportunité de devenir maître de leur santé. Je veux faire en sorte d'apporter ma force pour faire grandir la chiro en France, la faire évoluer et la promouvoir. Je suis aussi passionné par le vélo et ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien poser des questions. Donc, je pense que c'est tout trouvé pour moi ici. Ben, on est bien pour la suite déjà. On a dit qu'il y avait beaucoup de projets sur la chaîne. Déjà, notre but premier, ça va être de sortir un maximum d'épisodes, c'est-à-dire sortir un épisode toutes les 3 semaines. Donc, on va s'alterner avec Vincent. Ensuite, ça a été beaucoup demandé par des copains qui est de mettre les épisodes sur Spotify pour que ça rende un podcast, vu que c'est intéressant de simplement l'écouter. Et voilà, faire grandir la chaîne, tout simplement. Ça te va comme Ouais, planning? c'est top. C'est top, c'est top. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette petite introduction. Les épisodes vont bientôt arriver. On est en train d'en tourner quelques-uns. On fait un petit stock de vidéos pour pouvoir en diffuser tout au long de l'année et pour pouvoir continuer à faire vivre cette chaîne YouTube. Voilà, et aussi, on voudrait remercier Jean-Romain Michaud de nous avoir laissé l'opportunité de reprendre sa chaîne et de nous avoir passé flambeau. Vraiment, moi, du fond du cœur, je voulais le remercier pour avoir déjà fait ces 41 interviews qui m'ont personnellement énormément inspiré et que pour moi, c'était de rendre à la chiro ce que ça m'avait apporté parce que ça m'a vraiment apporté une ouverture d'esprit de ce qui était possible à faire en chiro. Et voilà, tout simplement, je voudrais te remercier, Jean-Romain.
Ouais, c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Romain, pour la confiance que tu nous as apportée, parce que, comme tu dis, ça nous a vraiment apporté beaucoup, tous ces Kirigitae. On va conclure sur le fait qu'on a encore beaucoup de projets. Continuez à nous suivre. Si vous avez des avis sur les futurs Kiro qui pourraient venir nous partager leur expérience, leur connaissance, leur amour de la vie, leur amour de la Kiro, transmettez-nous leur nom. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir les notifications et puis pour nous aider à grandir aussi. Merci à tous et à bientôt. Ciao.